La Normandie est célèbre pour ses plages, son bocage, son fromage, mais aussi son mobilier. Vous savez, la célèbre armoire normande. À Trouville-sur-Mer, Marie prend soin de ses colosses et parfois, faisant table rase du passé, elle leur donne une seconde vie. Pour Marie, fille de menuisier, les meubles ne sont pas qu'utiles. Ils racontent une histoire. Alors pour leur faire traverser le temps, elle a eu une idée. Mon idée, c'est d'avoir créé une boutique en ligne dédiée aux meubles revalorisés par des artisans français. Mais attention, uniquement des amoureux de la matière qui transforment un patrimoine mobilier usagé avec de l'huile de coude et autres techniques et produits naturels pour leur donner une touche personnelle et moderne. Mon premier appart était meublé que de ça, de pièces artisanales, chinées, etc. Et je me suis dit que ce serait super sympa de trouver un endroit où on pouvait se meubler qu'au travers de meubles avec une histoire et remis au goût du jour. Marie a donc créé une plateforme pour rassembler son réseau d'artisans, une vingtaine aujourd'hui, qui transforment les meubles anciens de A à Z dans leurs ateliers, comme elle. Là, je bosse sur des portes de l'ancienne armoire normande de ma grand-mère, qui va être utilisée en tête de lit. C'est vraiment l'histoire basico-basique de l'armoire normande de façon générale, c'est-à-dire qu'elle a été transmise de génération en génération au moment des mariages, donc d'arrière-grand-mère en grand-mère en mère. Détourné par Marie, l'imposant mobilier normand peut s'intégrer astucieusement dans nos petits habitats modernes. Et tout comme ce meuble, l'opération de restauration est familiale. Pour tous les conseils techniques, Marie peut compter sur son artisan de père et sa petite sœur ébéniste. Les portes, tu les enlèves ? Les portes, on les retire, ouais. Donc on est en train de faire le point sur un projet de restauration d'un ancien vaisselier pour le transformer en meuble à café. Si vous aussi, vous avez de vieux meubles qui traînent au fond du grenier, voici quelques conseils de pro. Il faut commencer par poncer le meuble et pour bien décaper et stabiliser le bois, Marie a une astuce naturelle, bien sûr. Alors, avant de pouvoir passer à la sous-couche, c'est important de passer le sel d'oseille, de le laisser agir environ 10 minutes et ensuite de rincer pour vraiment complètement retirer le sel d'oseille qui s'est incrusté du coup dans les pores du bois. Et ensuite, on reponcera. Quand elle ne déniche pas des trésors dans les greniers de la famille, Marie se rend dans les ressourceries, brocantes ou vide-greniers du coin. Comme Adèle, une autre restauratrice installée à Deauville et la première des artisans à s'être associée au projet de Marie. C'est sur quel meuble en ce moment ? Là, j'ai récupéré un chevet art déco trop cool. Okay. Si chaque artisan a sa spécificité, leur point commun est l'utilisation de techniques et produits éco-responsables. Adèle, elle, applique notamment des peintures sans solvant, beaucoup moins nocives que les peintures synthétiques. La Shock Paint, donc en français, peinture à la craie, c'est une peinture écologique à base d'eau. La grosse force de cette peinture, c'est que en fait, tu peux peindre sur tout type de support, sans ponçage. Les meubles restaurés et relookés ont droit à une petite séance de photos. Comme ce buffet Mado des années 50, qui a nécessité une dizaine de jours de travail.